Bon lundi matin tout le monde, merci d'être là pour vous joindre à nous encore pour cette dévotion matinale. On continue, on continue cette semaine avec la série sur les psaumes, où ce qu'on va couvrir, différents psaumes, puis vous expliquer comment est-ce qu'en tant que corateur ça nous touche. Euh, fait que moi j'ai le privilège d'aller dans un un psaume ce matin qui me touche personnellement particulièrement fait qu'on va être moins dans l'exégèse du texte on va être plus dans comment est-ce que moi en tant qu'individu en tant que pasteur en tant que personne euh, ça me touche puis ça vient euh, changer la façon que je vis ma relation avec Dieu d'une façon personnelle donc, euh, si vous êtes en vacances, s'il y en a qui commencent leurs vacances aujourd'hui, euh, étant lundi ou hier, étant dimanche, peu importe quand est-ce que ça commençait pour vous, si vous commencez vos vacances, je vous souhaite des bonnes vacances. Euh, si pour vous les, les vacances s'en viennent, euh, alors je vous souhaite un bon courage dans ces dernières semaines de travail, euh, derniers préparatifs, si vous allez en camping ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à préparer, fait que bon courage, ça s'en vient. Euh, Juste pour être cruel un peu avec les autres. Si jamais vos vacances sont déjà passées, euh, c'est ça. Je voulais juste vous encourager en vous disant que si je regarde la vitesse à laquelle les années passent, je vous dirais qu'un an, ça va passer vite. Vous allez être à l'an prochain dans pas long, mais c'est juste une blague. Je ne veux pas être cruel. Euh, toutes nos situations sont différentes. Fait que euh, bref, on se lance. Euh, ce psaume-là que je vais vous partager, pour moi, c'est un petit peu comme un ami de longue date. Il a toujours été pas trop loin, il a toujours été là avec moi, en tout cas depuis un petit bout, je vais vous dire à peu près depuis quel âge. Euh, particulièrement quand j'ai eu besoin de réconfort, puis j'avais besoin d'être encouragé. La première fois que j'ai entendu ce psaume-là, c'était mon oncle Michel qui le chantait. Euh, puis je suis tombé instantanément en amour avec ce psaume-là. Je sais pas si tomber en amour, c'est le bon terme, c'est plus que... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a accroché, il y a quelque chose qui a collé avec ce psaume-là. Puis je devais avoir à ce moment-là entre 8 et 10 ans. En vieillissant, je l'ai appris par cœur. Hein, puis souvent, quand je me sentais seul ou que j'avais besoin de réconfort, je sortais ma guitare puis je le chantais. Ensuite, on a eu les enfants. Puis je leur ai chanté souvent, souvent ce psaume-là avant d'aller les coucher. Mais celui qui a accroché particulièrement à ce, à ce chant-là puis à ce psaume-là, c'est notre fils le plus jeune, euh, Zachary. Pendant une longue période de temps, genre pendant des années, Zachary voulait que je lui chante ce chant-là chaque soir avant d'aller le coucher, euh, quand que j'allais pour le border. Euh, C'est moi qui ai fini par cette année, euh, puis en fait, trouver d'autres chants, intégrer d'autres chants à son répertoire pour être capable de diversifier un peu, parce qu'à un moment donné, à toutes les soirs, ça devient intense pas mal. Mais... Ce chant là est encore aujourd'hui, euh, Zacharie a 7 ans, puis est encore à 7 ans, euh, un des chants qui nous demande assez souvent quand on va le border. Euh, c'est un chant qui affectionne particulièrement. Je vous parle de Zacharie, euh, je vous en ai déjà parlé, mais Zacharie, c'est notre euh, émotif contemplatif. Il vit ses émotions à fond. Euh, ça peut être très inspirant parfois, puis je vais vous donner un exemple de ça, mais d'autres fois, c'est un peu troublant. Euh, pour vous donner un exemple de, de quand c'est troublant, euh, quand il était plus jeune, quand on était en voiture, euh, ça nous arrivait de lui donner des petits jouets pour qu'il qu s'amuse avec. Puis vous savez, quand on joue avec un jouet dans un siège, à l'arrière, dans la voiture, ça arrive que le jouet tombe à côté du siège ou quelque chose comme ça. Puis Zachary, à ce moment-là, il, il se mettait à pleurer, mais pleurer, puis il disait, je ne vais plus jamais le retrouver de toute ma vie. Euh, pour lui, c'est un drame parce qu'il venait de perdre, il venait d'échapper son petit bonhomme qui souvent était juste, juste à côté de lui. Les émotions sont belles, mais on doit quand même s'en méfier parce que on a, bien qu'on a besoin de toute la diversité des, des émotions pour être capable de vivre la vie pleinement, les émotions sont un cadeau pour expérimenter l'ensemble de ce qui compose la vie. C'est un cadeau de Dieu. Mais les émotions sont un bien mauvais maître. Si c'est ça qui gouverne votre vie, euh, ça va être off pour vous, puis ça va être off pour ceux qui vous entourent. Donc, les émotions sont une bonne chose, mais on doit quand même s'en méfier. Si je reviens à Zacharie, <coughs> pardon, quand il avait environ 4 ans, j'allais le porter à la garderie, puis on était en route, en voiture, puis il me lance Regarde, papa, comment c'est beau les arbres puis effectivement le paysage avec le soleil les arbres c'était c'était vraiment joli euh... Mais j'étais trop focusé sur la route, puis possiblement trop pris dans ma tête pour le remarquer. Euh, ça, c'est un exemple de comment Zachary était capable d'être contemplatif puis de vivre ses émotions d'une façon saine puis d'une façon belle. Puis si je vous le partage, c'est parce que Zachary m'enseigne, même si je suis son père, dans sa capacité à vivre ses émotions puis à contempler ce qui l'entoure puis à le remarquer. Un autre des personnages qui m'enseigne dans ce sens-là, c'est David. Je le disais dans l'introduction au psaume il y a deux semaines, mais sa capacité à reconnaître ses émotions, à les nommer puis à dialoguer avec Dieu sont pour moi une grande source d'inspiration puis même de paix. Euh, puis c'est le cas pour le psaume qu'on va lire ce matin. Euh, donc, ce psaume-là, c'est le psaume 61. Je vous le lis ensuite. Euh, je vais être assez bref ce matin parce que c'est pas le plus long psaume. Euh, mais c'est ça, après ça je vais faire quand même quelques remarques euh, sur ce psaume-là. Donc, psaume 61. Au chef de cœur sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Des extrémités de la terre, dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Je voudrais habiter éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Oui, c'est toi, ô oh Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours à la vie du roi, que ses années se prolongent de génération en génération, qu'il siège éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Je le chante à mes enfants, euh, je vais vous épargner ça, euh, je vous l'ai lu. Euh, le chant est un petit peu différent du texte, donc je veux me tenir plus au texte, mais il y a aussi une question de fierté personnelle. Je ne vais pas chanter devant la caméra comme ça. Euh, fait qu'on va plonger dans le texte et regarder un petit peu. Dès le verset 2, euh, en fait, David crie à Dieu, puis implore Dieu de l'écouter. Ce que Dieu fait... Ça, c'est la première chose que je veux souligner. Dieu vous écoute, Dieu vous entend. Prenez le temps de vous exprimer à Dieu. Il enchaîne tout de suite euh, dans le, au verset 3 en reconnaissant sa faiblesse. David est capable de reconnaître sa faiblesse. Dès le début du psaume, David reconnaît sa faiblesse et implore le secours de Dieu. C'est une chose que Myriam mentionnait dans sa dévotion vendredi dernier. On peut... On veut souvent y arriver par nos propres forces. <coughs> On n'est pas là du tout ici. C'est pas ce que David fait. C'est pas je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre. Puis la journée où ce que je suis manche, vraiment au bout du rouleau, là je vais faire appel à Dieu. Non, dès le début du psaume, David reconnaît sa faiblesse puis le besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie. David n'a pas toujours été le plus rapide à reconnaître sa faiblesse, euh, puis à plier les genoux volontairement. J'ose croire que ici, on est plus avancé dans l'âge de David, puis c'est parce que David y a appris de ses expériences du passé, puis est arrivé à un, un état de sagesse où est ce il est capable de reconnaître sa faiblesse, puis est capable de demander de l'aide avant que ses genoux plient de force. En tant qu'humain, on a cette faculté-là d'être capable de vivre des expériences, puis malheureusement de rien apprendre, puis de refaire les mêmes erreurs à répétition. On doit apprendre, on doit apprendre de nos erreurs, on doit apprendre de nos erreurs puis grandir. Euh, puis comme j'ai déjà dit, on doit apprendre des erreurs des autres aussi puis grandir. Que ce soit une mise en garde pour nous, de reconnaître nos faiblesses, ça fait pas de nous quelqu'un de faible. Ça fait de nous quelqu'un de lucide, puis quelqu'un qui va chercher de l'aide plus facilement. Chercher de l'aide qui est à sa portée. Puis c'est exactement ce que David est en train de faire. C'est de... ce que David fait en criant à Dieu, en appelant Dieu à l'aide, en appelant Dieu à intervenir dans sa vie. C'est pas un paresseux qui demande à Dieu de tout faire à sa place. C'est pas là qu'on est du tout ici. C'est un roi qui reconnaît sa faiblesse, puis du même coup, qui reconnaît la grandeur de Dieu, puis sa capacité, la capacité de Dieu à lui venir en aide. Donc, dans, dans tout le psaume, David utilise, utilise euh, plusieurs images, puis c'est particulièrement ces images-là euh, qui me réconfortent, puis qui sont pour moi quelque chose qui m'accroche particulièrement, puis j'aimerais qu'on en regarde quatre, il y en a, il y en a cinq ou six, j'aimerais qu'on en regarde quatre ensemble. Euh, puis on retourne, on recommence au verset 3. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Je vois deux choses dans cette phrase-là. Euh, je vois mes enfants, quand ils étaient trop jeunes, pour monter sur le trampoline. Vous savez, comme les, les trampolines sont quand même assez haut de terre, je ne sais pas quelle hauteur exactement, mais, mais les enfants qui sautent. Imaginez un enfant qui saute à répétition puis qui essaye de monter, mais qui n'est pas capable de monter. Euh, puis finalement, moi qui arrive, qui fait juste le prendre. Euh, en dessous des bras, puis qu'il monte sur le trampoline. C'est tellement pas compliqué pour moi de faire ça, puis c'est tellement réconfortant pour l'enfant de savoir que son père est là, qu'il est capable de le prendre pour l'amener à atteindre quelque chose qui naturellement, lui, n'était pas capable d'atteindre. Donc, ça, c'est la première image, la première chose que je vois dans cette image-là. Puis je vois aussi un gros rocher dans le désert. Je sais pas si euh, si vous avez une image. Puis j'ai pas. Euh, je, je sais dans les déserts de l'Arizona, les places comme ça. Euh, il y a des déserts où ce y a des méga monticules de roches qui s'élèvent euh, dans le milieu de nulle part. Euh, puis j'ai cette image-là, puis sur laquelle c'est comme, comme si Dieu nous prend. Quand je regarde, puis je lis cette, ce verset-là, conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. C'est comme si je voyais Dieu me prendre de la même façon que je pouvais prendre mon enfant, euh, puis me mettre sur ce rocher-là. Euh, puis que tu te dis, ici, j'ai vraiment la paix. J'ai vraiment la paix. Personne ne peut m'atteindre. Je suis en sécurité. Cette sécurité-là, on peut la vivre dans notre relation avec Dieu. Elle est accessible dans notre relation avec Dieu. Euh, David n'est pas en train de dire que Dieu le prend physiquement sur une roche comme celle-là et dit, dans ma relation avec Dieu, je me sens en paix, comme si j'étais sur un rocher, puis j'étais hors d'atteinte. On peut le visualiser, on peut se voir comme cette personne-là quand on est en présence de Dieu. cest dire parce que Dieu... Me soutient parce que Dieu est avec moi. Je me sens en paix comme si j'étais sur cette roche-là. Au verset 4, Oui, tu es pour moi un refuge, une tour fortifiée en face de l'ennemi. Encore une fois, tu te sens hors d'atteinte, tu te sens en sécurité. Imaginez une grosse tour fortifiée avec, je ne sais pas, des gardes autour, une grosse muraille à l'extérieur d'une ville où ce que tu dis, bien, il n'y a personne qui peut m'atteindre parce que je suis en sécurité, parce qu'il y a quelque chose pour me protéger. Euh, Dieu est cette personne-là pour nous protéger. Euh, il est réellement cette personne-là. Verset 5A, euh, la, 5a, la première partie du verset nous dit, Je voudrais habiter éternellement dans ta tente. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du camping, euh, une journée qui pleut. Pendant toute la journée. Euh, mais le sentiment d'intimité qui se développe avec la personne qui est avec toi en camping, peu importe c'est qui, chouette euh, que ce soit votre femme, euh, mais même si tu es avec un ami, le, le sentiment d'intimité qui se développe avec cette personne-là quand tu es poigné dans la tente pendant toute une journée avec cette personne-là, c'est quand même assez intense. Pour David, c'est un réconfort de se visualiser dans cette tente-là. Avec Dieu à proximité de lui. Puis je sais que dans le temps de David, les tentes étaient pas mal plus grandes que nos petites tentes qu'on peut voir ici. Là. Euh, souvent quand on va en camping, des tentes 2, 3, 4 places, c'est pas si grand. Euh, les tentes euh, duquel David fait référence, c'est pas mal plus grand que ça, mais... L'image ou l'idée derrière ça, c'est qu'il dit, j'aimerais ça, savoir que Dieu est à côté de moi. Puis en fait, il dit, je me vois comme si Dieu était à côté de moi. On était dans une tente, donc il était à proximité de moi tout le temps. Puis ça, ce que ça produit chez moi, c'est que ça l'amène à un sentiment de sécurité. 5b, deuxième partie du verset. Me réfugier à l'abri de tes ailes, c'est la quatrième image que j'aimerais soulever. Me réfugier à l'abri de tes ailes, comme un petit poussin blotti dans les ailes de sa mère, qui lui donne la chaleur, la protection, la nourriture. Va lui donner tout ce qu'il a de besoin. Il est là, il est protégé, il est comme tout son environnement fait en sorte qu'il est en sécurité, qu'il est protégé. Il n'a même pas à s'inquiéter. Il sait que s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une menace, sa mère va être là pour intervenir, va être là pour le défendre. C'est toutes des images qui nous procurent, qui nous amènent une grande paix. Si on est capable de se visualiser comme étant chacune de ces choses-là, si on est capable de se voir comme ce petit poussin-là qui a besoin d'une maman pour être réconforté, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être protégé. Toutes ces images-là, comme je disais, respire, respire la sécurité. Puis si on pouvait donner un titre à ce psaume-là, on pourrait l'appeler le, le, le psaume de la sécurité. On voit quelqu'un qui cherche un refuge quand on regarde ce que, ce que David nous exprime. On voit quelqu'un qui cherche un refuge, euh, puis qui ressent la quiétude du refuge que Dieu offre. Puis il y a cette grande paix là, qui se dégage de ce psaume-là. Cette même paix-là, ce même refuge-là, cette même sécurité-là vous est offerte, m'est offerte aujourd'hui si on cherche ces choses-là auprès de Dieu puis pas dans n'importe quoi d'autre, si on n'essaye pas d'aller le chercher par nous-mêmes, par nos propres forces de toutes sortes de façons. La dernière partie du texte, à partir du verset 6, puis je vous le relis. Oui, c'est toi, ô oh Dieu, qui écoutes mes vœux. Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours à la vie du roi, que ses années se prolongent de génération en génération, qu'il siège éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Au verset 6, ça dit Qui écoute mes vœux. Au verset 9, il, il, il renchérit en disant ⁇ Je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. ⁇ Puis je m'étendrai pas sur la notion de vœux ici, mais... Parce que c'est un sujet en soi, mais brièvement, il y avait plusieurs formes de vœux dans la Bible. Euh, Puis un de, des reproches que Dieu fait à son peuple, particulièrement dans le livre de Néhémie, mais en fait à travers les prophètes, c'est quelque chose qui revient, euh, c'est que le peuple tenait pas ses promesses envers Dieu, ne tenait pas ses vœux. Un vœu, c'est un peu comme une promesse fois mille. C'est comme une promesse glorifiée. Euh, Puis c'est fait devant Dieu. C'est quelque chose auquel tu t'engages devant Dieu. Si tu accomplissais pas tes vœux dans ce temps-là, il y avait des conséquences. Puis même des malédictions étaient reliées à ça. On le voit dans 1 Samuel euh, où ce que euh, Saül fait une, une promesse. Euh, il fait un vœu justement. Puis il dit si il y a des personnes qui l'accomplissent pas ce vœu là. Il va, il va avoir telle, telle malédiction qui va être euh, prononcée contre eux. Euh, donc, il y avait même des fois des conséquences reliées au fait que tu accomplissais pas tes vœux. Donc, c'est tout un sujet en soi à explorer, puis ce n'est pas ce que je veux faire ce matin, mais ce qu'on voit, puis ce que je veux relever, c'est que David, lui, ne prenait pas ses vœux à la légère. Il avait pris des engagements envers Dieu, puis les accomplissait chaque jour. On voit ça au verset 9. Ce qui me frappe, c'est ce que David disait qu'il chanterait Dieu sans cesse en accomplissant ses vœux. Ses voeux étaient pris pour servir Dieu, se dévouer à lui. Puis David est en train de dire qu'il va le faire avec joie, dans la louange, en chantant. Et non pas avec un esprit abattu, contraint, comme s'il était obligé de faire des choses qui ne tentait pas. Pour lui, c'était tout le contraire. Je pense qu'encore aujourd'hui, on peut prendre des engagements envers Dieu, mais... Pas des engagements qu'on va prendre à la légère comme le peuple pouvait le faire, euh, comme en tant qu'humain, on a tendance à le faire, euh, mais des, engage des engagements qu'on va tenir parce qu'on est convaincu que c'est ce que Dieu souhaite, parce qu'on est convaincu que c'est ce qui est bon pour nous. En tout cas, c'est ce que Dieu nous dit qui est bon pour nous. Et puis qu'on le croit ou non, il y a des promesses de rattacher avec cette obéissance-là, de suivre le plan de Dieu pour nos vies et non pas juste de suivre notre plan puis de vivre notre vie comme on la veut. C'est une façon de consacrer nos vies à Dieu et d'être intentionnel dans notre marche avec Dieu. Finalement, au verset 6, dernière chose que je voudrais soulever dans ce, ce texte-là, David dit, Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent ton nom. La notion d'héritage dans ce temps-là, puis, puis même longtemps dans notre histoire jusqu'à jusqu'à quelques siècles avant nous était quelque chose qui était très central à la vie des gens. C'était la façon dont le nom de la famille allait se poursuivre. C'était la façon aussi où ce que les enfants allaient continuer ce que le père ou les parents avaient déjà commencé. Euh, puis ça allait se, se perpétuer de génération en génération parce que c'était comme ça. Tu n'allais pas à l'université pour faire ce que tu voulais. Puis oui, il y avait des écoles. Euh, on, on, ça fait longtemps, même dans le temps de Jésus, euh, il y avait des écoles. Puis longtemps avant, mais ce n'était pas la majorité du monde qui allait dans ces écoles-là. La majorité des gens allaient poursuivre ce que les parents avaient déjà commencé. Donc, ceux que les parents élevaient du bétail euh, allaient apprendre très jeune à leurs enfants comment prendre soin du bétail, comment raser les moutons, comment dans quel genre de pâturage euh, il fallait qu'il les amène pour manger toutes ces choses-là, ça, ça, ça se poursuivait, puis à la mort du père, le père allait transmettre ça à l'aîné de la famille pour, pour continuer ça, puis c'était tout un cadeau, parce qu'il héritait de il partait pas juste avec deux moutons puis il devait recommencer à zéro il partait avec une base euh, puis ah, excusez, donnez-moi une seconde euh, pour être héritier des, du Père, et il fallait être un de ses enfants. Euh, généralement, c'était le cas. Dieu a fait cette promesse-là à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Puis l'accomplissement de cette promesse-là passe par la généalogie de Jésus. Dans Matthieu 1, quand on relit la, géné la, la généalogie de Jésus, euh, ça commence par Abraham. Avec la venue de Christ, toutes les familles de la terre avaient maintenant accès à un nouvel héritage. Ce qui était historiquement réservé à Israël, Dieu a décidé de l'étendre d'une façon beaucoup plus large à l'ensemble de l'humanité. Puis je vous invite à lire, je ne pourrais pas tout couvrir, mais je vous invite à lire Romains 4, Romains 8, 17, Galates 3, 29, puis Galates 4, 7, puis de chercher même les autres versets qui parlent, qui, qui utilisent le mot héritage ou héritier. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que. Parce que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous, on a dorénavant la possibilité de devenir enfant de Dieu, de prendre part à cette promesse-là, puis aux autres promesses qui avaient été données au peuple d'Israël. On a accès à devenir enfant de Dieu à part entière, héritier des promesses de Dieu envers son peuple. Alors quand David dit ⁇ Tu me donnes l'héritage réservé à ceux qui craignent son nom ⁇ c'est vrai aussi pour nous qui croyons aujourd'hui. Cet héritage-là, c'est d'avoir accès au pardon de nos péchés, puis à la vie éternelle dans la présence de Dieu. C'est un changement d'héritage. Peu importe à quel héritage familial on était promis, on a été adopté, puis l'héritage qui est spirituel, qui nous est offert, euh, qu'on obtient en échange est comme mille, puis dix mille, puis un million de fois mieux que ce à quoi on était destiné par notre héritage naturel. C'est toute une bonne nouvelle. Puis en même temps, euh, et en même temps que, que le, le roi David réalisait cette, la portée de cet héritage-là, puis on doit réaliser la portée de cet héritage-là. On a accès à cet héritage-là, puis c'est une méchante bonne nouvelle pour nous. Je vous encourage à relire ce psaume-là aujourd'hui avec toutes ces choses-là en tête, puis de voir comment... Chaque fois que vous vous sentez pas en sécurité, pas en contrôle, vous vous sentez perdu, dépassé, en détresse, angoissé, de voir comment vous pouvez aussi expérimenter cette paix-là, ce secours-là qui viennent seulement quand on peut se réfugier en Dieu, quand on sait que Dieu est au contrôle, puis qu'on cherche notre réconfort en Lui, comme David avait été habitué à ce moment-là. À faire, puis que ça devenait de plus en plus un réflexe pour lui, que ça puisse devenir notre premier réflexe plutôt que de compter sur nos propres forces, de compter sur le refuge qu'on peut trouver en Dieu parce que lui, il est au contrôle. Je vous encourage vraiment à le relire puis voir en quoi dans chacune de nos vies on a besoin de grandir. Parce que je sais que j'ai à grandir là-dedans. Je sais que mon premier refuge ne doit pas être de ch chercher qu'est-ce que je peux faire. Mon premier refuge, mon premier euh, réflexe doit être de me mettre à genoux, puis de chercher les conseils de Dieu, de chercher le réconfort de Dieu. Euh, on peut essayer de faire beaucoup par nos propres forces, mais on ne pourra jamais faire autant que ce que Dieu peut faire pour nous. Je termine avec... Euh, mes suggestions de livres, en fait, lundi, je ne vous en ai pas donné. Fait que normalement, lundi passé, je ne vous en ai pas donné, donc normalement, ce lundi, euh, je devrais vous en donner deux. Mais là, il y a eu un peu d'inflation. Fait que finalement, je vais vous conseiller euh, trois livres. Euh, le premier, on vous en a parlé à plusieurs reprises. Euh, on a fait même une série à Axe 21. Le livre, c'est Le Mariage de Tim Keller. Euh, Beaucoup de, couples. Euh, beaucoup de couples ont des défis, des difficultés présentement. Euh, peut-être que c'est votre cas ou peut-être que vous êtes juste stagnant euh, ou qu'il n'y a pas de progression. Je vous encourage cet été à considérer, si c'est votre cas, ce livre-là. Euh, il y a, je ne sais plus, une douzaine de chapitres de mémoire. Euh, pendant vos vacances, vous n'êtes pas obligé d'en lire juste un par semaine. Lisez-le en couple. Euh, Lisez-le, partagez-vous vos lectures, surlignez. Euh, C'est important de grandir. C'est important de bien comprendre la, 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 la vision de Dieu pour le, ma le mariage. Comment Dieu voit ça, lui, pour voir comment nous, on peut vivre ça. Un autre livre qui, euh, qui est pertinent, qui est juste en anglais, malheureusement. Je, à ma connaissance, il n'a pas été traduit. Euh, « Date your wife ». De Justin Buzzard. Euh, si les hommes, vous avez tendance à avoir levé la pédale un peu sur votre capacité à, à courtiser votre femme, ça, c'est le livre à lire. Euh, un guide pratique sur pourquoi, pourquoi pas, comment. Euh, fait que c'est vraiment un bon livre pour se rappeler qu'on a une responsabilité envers nos épouses. Euh, fait que c'est ça. Une autre suggestion en lien avec le couple. Troisième suggestion pour ceux qui ont des jeunes enfants jusqu'à ados, euh, le voyage du pèlerin. Euh, ça, c'est la version euh, qui appelle manga ou bande dessinée. Euh, Vraiment excellent. Mon fils le plus vieux l'a dévoré en deux jours. Je suis en train de le lire avec Zacharie, euh, notre plus jeune. Beaucoup d'images qui nous aident à comprendre la marche du chrétien. C'est pas parfait, euh, mais c'est vraiment excellent. Il y a la version bande dessinée comme ça. Ça existe aussi en la, dans la version euh, juste écrite comme n'importe quel livre. Là. Euh, fait que peu importe ce que vous voulez lire, mais c'est accessible autant pour les jeunes enfants que tu viens de te convertir, tu es en train de commencer ta marche chrétienne, un excellent livre à lire. Euh, J'ai énormément apprécié euh, de le lire moi-même, fait que je dirais que pour à peu près n'importe qui, à partir de l'âge de peut-être 6 ans, 5-6 euh, ans en, en montant, euh, c'est un livre qui est très accessible. Euh, je ne sais pas si tous ces livres-là sont disponibles sur publications chrétiennes, mais euh, cherchez si vous ne savez pas où vous procurer des livres chrétiens, Publications chrétienne, CLC Canada, euh, c'est des excellents euh, sites pour euh, commander des livres. Commandez maintenant pour les recevoir à temps, pour être capable de les lire pendant vos vacances. Euh, comme je vous disais en début de semaine passée, l'été c'est un, une belle occasion pour lire, pour travailler sur vous-même, pour voir qu'est-ce que Dieu veut adresser pour vous, de vous mettre des objectifs de croissance dans votre vie pour l'année prochaine, pour être intentionnel dans votre marche avec Dieu. Euh, ça ne remplace pas les Écritures. Continuez à lire, continuez à prier, continuez à chercher la face de Dieu de différentes façons, mais Gardez des temps pour un ressourcement, pas juste un ressourcement physique pendant les, les vacances, mais aussi un ressourcement spirituel. Des fois, on se sent fatigué, puisqu'on a de besoin, c'est pas juste un ressourcement physique. On a besoin d'un ressourcement spirituel. On a besoin que Dieu prenne soin de notre cœur, que Dieu prenne soin de notre tête, puis que Dieu prenne soin de notre corps aussi définitivement. Je vous laisse en prière. Euh, on va prier, puis euh, je vous reviens tout de suite après. Oui, Dieu, on veut te remercier pour euh, le livre des psaumes qui est rempli de grandes richesses. Richesses. Merci pour ces petites perles-là qui nous enseignent à quel point tu es grand, à quel point tu es suffisant. Donne-nous de la facilité, comme David, à exprimer nos émotions, à s'exprimer devant toi, à crier à toi d'une façon respectueuse, en cherchant du réconfort auprès de toi, en cherchant à ce que ce soit toi notre sauveur et non pas Rien d'autre. Euh, on a besoin que tu nous fasses grandir à ce niveau-là. Je veux te prier de bénir cette semaine qui commence, que tu puisses garder ceux qui commencent leurs vacances aujourd'hui ou cette semaine, que tu puisses vraiment leur accorder tout le repos qu'ils ont besoin, euh, mais vraiment le repos qu'ils qu ont besoin. Pas nécessairement le repos qu'ils pensent avoir besoin, mais le repos que tu sais qu'ils ont besoin. On veut te prier d'intervenir dans chacune de nos vies. Garde le cœur de nos enfants. Puis j'en profite aussi de... Pour te prier pour les couples qui souffrent, que tu puisses être leur réconfort, que tu puisses être à eux aussi leur refuge, euh, que tu puisses pointer les choses dans leur vie, euh, que tu veux travailler à travers ces défis de couple-là, euh, puis donne toute la persévérance qu'ils ont besoin, puis place les bonnes personnes sur leur chemin aussi pour les conseiller dans ce qu'ils vivent. Au nom de ton fils, que je te prie ces choses. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bye bye.